Kerstein. Bonjour à toutes et à tous. Je vous retrouve aujourd'hui sur Total Warhammer épisode 13, campagne de la Gasconie Bretonnie, pour la suite de nos aventures. Donc, lors du précédent épisode, nous sommes parvenus à faire une bataille de quête avec le roi Longueur de Lyon, donc pour obtenir son arme légendaire, l'épée de couronne. Donc, on va avoir beaucoup de bonus grâce à elle, donc au niveau de l'entretien des unités, des coûts de recrutement, des pillages, et aussi de l'épée. Donc, ce qui est bien, c'est que sur 30 mètres, ça donne un malus à l'armure et à l'attaque de nos adversaires, donc c'est plutôt pratique. Et ça pourrait être une arme de choix assez intéressante pour la future bataille de 4 contre les peaux vertes pour l'ultime guerre sainte. Donc, donc je reconstitue un peu mon armée qui a pris un peu cher. Et je repositionne mes trois armées aux endroits adéquats. Donc, j'ai remarqué que du côté de Marienbourg, on a une petite armée d'orques qui est là. Donc les preneurs de crâne qui sont des orques en horde. Donc je pense qu'on peut peut-être aller s'en occuper ultérieurement, donc histoire de se faire un petit peu plus de chevalerie. Donc. Et en parlant de chevalerie, donc on va tout faire pour cet épisode d'arriver au 1000 points. Donc actuellement j'ai construit une église à Bordeaux, enfin une cathédrale de la Dame au niveau 3 pour gagner 20 points de chevalerie supplémentaires. Comme ça je serai à 957. Donc on va essayer de continuer sur cette voie. Et si on pouvait essayer de faire ça dans certains endroits qui sont assez requis, donc ça pourrait être pas mal. Donc voilà. Je pense que j'ai rien oublié. Alors que ici la garnison pour le moment tiendrait. Ouais. Ouais, ça pourrait être pas mal hein, finalement. Donc voilà. Alors là pour le moment dans 6 tours j'aurais quoi comme technologie? Les couturières, ah oui c'est vrai. Donc ça pourrait être pas mal. Je ferai pas la technologie là par contre. Hein. Là c'est hors de question. 50 points de chevalerie, c'est un peu cher je trouve. Sachant que pour les obtenir c'est assez compliqué donc. Voilà. Alors de mon côté là je vais faire ça. Je vais rester sur cette province et on va essayer de refaire notre armée. Donc on est quasiment complète dans 2 tours. On aura des écuyers à nouveau dans l'armée royale. Donc alors que les elfes sylvains là ils sont en pleine exploration du géomonde. Donc c'est ça de s'éveiller au bout d'un certain temps, j'ai envie de dire. Hein. Alors avec le Durtu en personne, donc les Von Kerstein et nous, on est toujours en guerre contre eux. Donc bon, pour le moment on s'est pas fait menacer, donc à voir. On verra ce qu'on va faire. Donc, alors que les hordes du chaos continuent de progresser, ils rasent la dernière cité qui se lève. Et il y a beaucoup d'armées du chaos par contre. Hein. J'espère que les nains vont se mobiliser contre eux. Alors que les armées du chaos du nord sont hyper nombreuses. Ils dévastent tout sur leur passage. Alors qu'on a une embuscade qui a été détectée par des hommes bêtes. Ah, Alberich a obtenu un rang. Il est au rang 14, ok. Il ne peut pas avoir de bonus pour. Je sais pas moi. Comment il s'appelle? Alors on va lui mettre un maître d'épée, tiens. Pour gagner un peu plus de puissance d'attaque. Ça lui sera très utile, donc bon, même s'il n'y a qu'une petite armée pour le moment. Alors ici, la reconstitution est bientôt faite, donc c'est plutôt bien. À Lyonnaise, la cure niveau 2 est terminée, donc ça c'est bien aussi. On va essayer de renforcer tout ça, tiens. On va agrandir cette écurie. Bon, on gagne encore de l'argent, mais bon. J'ai pas trop à me plaindre. Alors que 5% sur des unités, c'est vraiment pas mal, je trouve. Hein, personnellement, ça fait la différence, hein, on le sent. Faudrait que je vois si je peux pas recruter d'autres cavaliers, mais j'ai un doute. Hein. Où je pensais recruter peut-être à la bas lyonnaise, on peut pas recruter des troupes. Non, j'ai pas de général dans le coin. Donc voilà. Là, l'affaire retourne du côté de Paravent pour surveiller, on sait jamais ce qui se passerait à Mingart. Alors que l'Empire est complètement dispersé, donc non. Et je vais essayer d'aller me faire un petit peu une guerre contre les vampires dès que possible pour gagner les derniers points qui me manquent. Donc on va essayer hein, de réunifier ces points, réunir tous ces points, quoi. Alors que les Von Kerstein marchent sur les lambeaux de l'Empire. On va voir ce que ça donne. Donc là, les hordes du chaos qui continuent. Hein. Maintenant, c'est les nains. J'espère vraiment que les nains vont les arrêter. Maintenant, les forces du chaos, elles se replient. Je sais pas ce qu'il y a. Canaliseur. Oh. Et alors que. On va booster ce paladin. Donc, voilà. Pour qu'il soit complètement complet. Alors, on a construit notre cathédrale, on a encore gagné 20 points. C'est plutôt cool, le temple du Graal a été construit à Bastogne. Donc on va essayer de l'améliorer encore un peu. Hein. Si on pouvait obtenir encore 20 points de chevalerie là, ce serait parfait.
On va faire ça tout de suite. Voilà. Alors, ensuite, avec cette armée-là, j'ai commencé à marcher sur les orques. J'ai essayé d'aller me les faire pour me faire un peu d'expérience pour mon armée et surtout pour le roi de Grandcœur de Lyon. Dans un tour, il récupérera tous ses PV, donc ça sera parfait pour lui. Et il peut pas recruter d'autres unités, non. Donc ça, au moins, c'est réglé. Donc le Shadow Snow, je vais pas encore l'utiliser, je vais l'utiliser sagement. On va essayer de faire attention. Donc ce sera tout, je pense. Hein. Ça, si j'arrive à terminer cette campagne aujourd'hui, ce serait bien, mais je pense qu'il faut encore deux ou trois épisodes. Le temps que j'arrive dans les terres des nains, le temps de faire la route. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah, les. Oula! J'espère que les. Oh là, les forces du chaos se rassemblent dans le nord. Ça pue un peu par contre. Bon, après si on peut voir que l'Empire se fait détruire, pourquoi pas. Raven Tugger est un paladin qui a encore gagné un rang. Ou c'est une dame? Ah, c'est une dame. C'est celle qui est déployée dans le nord. Très bien. Et bon, on va booster sa magie. Comme ça sera un peu d'expérience. Tranquillou. Alors que. Ouais. Ici, c'est parfait. Les orques sont en train de subir de l'attrition. Ça, c'est cool. Donc, je pense qu'il est l'heure pour moi d'aller déclarer la guerre à ces maudites peaux vertes. Je n'appelle pas mes alliés à l'aide, bien sûr. J'ai toutes mes chances. Ils sont tout seuls. Ah, l'orque s'est replié. Donc, je vais essayer de le traquer, de le détruire. Bon, il y a quoi de l'orque sauvage, ça, ouais. Donc, on va y aller, hein. Alors que les Von Karsten commencent à recoloniser ça, l'Empire, ça m'inquiète un peu. J'espère que Karlfand va réagir. Parce que là, j'ai pas envie de me retrouver avec une armée de vampires là-bas, quoi. Ah, les prenants de crâne qui se retirent. Ah, les nains qui se dirigent dans les. Enfin, les hommes bêtes qui sont dans les terres naines, dans les montagnes, c'est un peu inquiétant. Il faut les nains qui n'y réagissent pas. Ah, ça c'est embêtant quand même. Grand mur, ouais, bon, au moins. Nos endroits sont renforcés. Est-ce que je peux aller chercher ou pas en un tour? Ça va être compliqué, je crains. Est-ce qu'il va vouloir m'affronter, ça le problème? Eh, il veut pas m'affronter en fait, l'enfoiré. Bon, bah tant pis, on va aller le traquer. Hein. J'espère juste que l'Empire va recoloniser ses villes parce qu'il y en a besoin, quoi. Là, il y a qui là-bas? Il y a Isabella von Kerstein. Si jamais on arrivait à la combattre, ça serait sympa. Mais bon. Pour le moment, c'est pas la priorité, c'est de renforcer le royaume de Bretonnie et de reconstruire ces cités qui ont un peu été mal construites, hein, faut le dire. Donc là, ce que je vais faire immédiatement une armurerie au niveau 2 pour recruter toutes les unités possibles et imaginables. Donc ça pourrait être pas mal. Alors, mais là, il faut traquer cette armée orque si elle doit souffrir, car elle doit souffrir, hein, je regrette. Hein. Ah, les Von Kerstein et les vampires, j'ai l'impression qu'ils se tapent même pas dessus, ce qui m'étonne un peu. Parce que connaissant le passif entre Manfred et Vlad, que quand même Manfred a contribué à la mort un peu de Vlad, je dis ça, je dis rien, mais voilà. Donc, à voir. Faudra que je demande aussi un accès militaire à aux nains si j'en ai un. Donc, mon fort croissance négative, ça c'est un problème. Elle a encore gagné un rang, bon, parfait. Hop. Aller dans l'armée de Louan. Oh! Ah, ils se sont barrés. Bon, bah tant pis. Hein. Est-ce que si je recolonise cette ville, il y aurait un problème? Ne rien faire. Non, on va rien faire. Écoute. Qu'est-ce qu'on fait alors? Si j'arrive pas à traquer cette pauvre armée. Je vais voir. Je vais réfléchir à un truc. Bon bah écoutez, hein, je pense qu'on va se diriger progressivement vers les Von Kerstein. Mais bon, le problème c'est qu'avec toute l'attrition vampire, je sais pas comment on va faire quoi. Ou alors on se dirige pour la dernière quête. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que ça pourrait être pas mal. Elle est où cette quête? Je sais même plus où elle est. Ah elle est là. Par contre, le temps d'y arriver, on va mettre un certain temps. Donc bon. Ce que je vais faire déjà avec Alberich, je vais recruter certaines unités. Je pense notamment au. Enfin, le trébuchet, déjà, je vais le garder. Je pense à quelques albardiers. Deux écuyers, tu vois.
Un troisième? Ok. On va recruter une partie de notre armée. Comme on a les sous, autant en profiter. Et on va voir si les orques arrivent chez nous ou non, ça pourrait être marrant. Les elfes qui traversent nos terres, donc on est toujours. On espère qu'on ne soit plus en guerre contre eux pour le moment, parce que je vous avoue que le massacre des elfes, ça c'est compliqué. Alors que les arts du chaos sont en train de démonter les nains, j'ai l'impression. Parce qu'il y a certains trucs qui se sont faits, c'est pas cool. Alors que les forces Skyling arrivent au nord et affrontent le Middenheim, donc le Middenland. C'est assez compliqué donc. Ah, les couturières sont terminées. Donc je ferai plus de technologie pour cette campagne. Parce que je veux pas. Je refuse de perdre mes 50 points précieusement acquis quand même, hein, faut le dire. Et j'ai assez dégusté, on va dire. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Donc bon. Alors que je vais améliorer Lyonnais au niveau supérieur pour faire une cathédrale au sud, hein. On va essayer de rebooster un petit peu les points, hein, les amis. Hein. Alors que l'armée de Longueur de Lyon va continuer d'avancer. Hein. J'ai peur pour cette bataille de quête finale, les amis. Je sais pas vraiment ce qui m'attend, donc j'espère que mon armée sera suffisamment puissante. Avec le nombre d'unités que j'ai, je me dis que ça devrait aller, mais. Donc on continue d'avancer et je vais même me mettre en marche forcée, écoutez, pour gagner un peu de mouvement. Donc voilà, on est où là à peu près? Ouais, ça va être une longue marche, les amis. En avant marche vers le combat final. Est-ce qu'on va gagner cette campagne grâce à cela ou non? Moi, pour moi, dès que j'ai les 1000 points et la quête finie, bah, pour moi, ce sera bon. Puis je voudrais me téléporter, mais le problème, c'est que je peux pas. Pour la simple et bonne raison que, bah. Dans cette quête, on peut pas, il faut aller jusqu'au bout, ce qui est un peu dommage, je trouve, mais bon, je peux comprendre après. Faudrait que j'essaie de faire la paix avec tous ces nordiques, quoi. Il y en a trop. Donc, bon. Ah, les nains qui tentent de faire des trucs, bah là. Elmangor, ça a été repéré. Sur ta ex, c'est qui ça? Ah, c'est un gars du chaos, ok. Ce que je vais tenter de faire, donc, je vais donner des sites de guerre à mes alliés. Est-ce que le Vark voudrait bien la paix? Non, il veut pas. Donc, ok. Ce que l'on va faire, c'est des sites de guerre militaire. Alors lui, il va essayer de faire tomber Schwarzhafen. Toi, le Hochland, tu vas essayer de faire tomber cette armée-là. Le Midland va tenter cette armée-là. Le Nordland, bon, on va essayer aussi cette armée-là, tant qu'à faire. Les nains. Vous avez des armées là-bas, vous pouvez pas vous en occuper quand même, je sais pas moi. Le clan Karak-Irn. Là-bas. Clan Karak-Ziflin. Là-bas, tiens. Il faut que je mobilise un maximum d'alliés. Alors que les preneurs de crâne, on n'arrive pas à les attraper. Je sais pas où ils sont partis d'ailleurs, c'est con. Bon bah. Au pire, c'est pas grave, hein. Les orques, on s'en occupera plus tard. Qu'est-ce que j'allais dire? Oh là, qu'est-ce qu'ils font là les Alcivins? Relation avec eux. Bon ça remonte. Donc j'ai envie de dire c'est plutôt une bonne nouvelle. Hein. Et je vais essayer d'aller avec la fée enchanteresse recoloniser au sud, tiens. Ouais. Plutôt ce trébuchet là, je vais le virer parce que voilà, ça coûte cher. Je vais recruter. Alors chevalier du royaume aussi, je vais le retirer. Je vais mettre quoi? Alors deux chevaliers comme ça. Et deux chevaliers du grade en plus. Voilà. Je pourrais recruter. Ouais, je vais recruter un autre chevalier de la 4, ça peut être pas mal. Ça me coûtait cher, mais bon, au moins ce sera fait. Et puis je pourrais recoloniser ce qui me manque. Alors que là, j'arrive du côté du Wissenland, à Wissenburg, pour la quête finale. Donc là, ça va être essayer d'avancer le plus rapidement possible et de marquer le plus de points. Oh non, ils vont pas recommencer, les elfes, c'est bon. Une fois, mais pas deux, quoi, merde. Attends, ils ont du pognon dans leur forêt qui se fasse pas chier, quoi. Les elfes. Bon, on va essayer d'éviter leur réagir à leur provocation, on va voir ce qu'ils vont faire. Stupide vanity, nous verrons bien qu'il est imbécile, ok. Ok, parfait. Donc on va recruter des archers à flèches empoisonnées et à flèches incendiaires. Comme ça, ce sera bien.
Qu'est-ce que je voulais faire déjà? Je sais même plus. Alors, il me reste encore combien de tours là? 3-4 tours facile. Voire plus. J'ai perdu quelques hommes, mais bon, je pense que si je repasse par mes territoires de mes alliés, ça devrait aller. J'ai demandé une alliance militaire avec eux. Voilà, ça c'est fait. Le clan Groon. J'espère qu'il n'est pas en guerre contre les elfes. Non, ça va. Bon, au moins là on est rassuré de ce côté-là, les amis. Ça nous permet de voir venir. Donc, par contre, ce qui m'inquiète, c'est l'armée de Durtu là. Que je dis ça, je dis rien, mais elle doit être assez consistante à battre. Oh bah oui, regardez-moi ça, 4 au marbre, la logique. Cherche la logique, 4 au marbre. Même moi, j'entretiens pas ça, mais l'IA, oui. Hein. Allez. Hop, bon, pas de panique. Château de Bastogne, on va essayer d'améliorer ça aussi. Artois, on peut rien faire. Lyonnaise, pareil. Artois, on peut faire quoi déjà? Une garnison améliorée, bon bah. Tant qu'à faire, hein. Autant utiliser le pognon conséquemment et intelligemment. Donc, allez, allez, on avance là. On continue. Allez. On arrive à la fin du périple, les amis. Le triomphe ultime. Je voulais utiliser l'armée de la Fjordstrasse pour recoloniser. Mais non, mais va te faire foutre. Qu'est-ce que tu fous, château de Gascogne? Ah, ces arbres, je vous jure. Ah. Aïe, 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 aïe. C'est vraiment le bordel partout. Oula, il y a toujours des nouvelles armées qui arrivent. Je sais pas comment les arrêter. Eh mais il faut qu'ils arrêtent leur provocation, hein, les celles-ci, ça commence à bien faire ça. Je vais pas leur déclarer la guerre, je suis pas fou non plus. Mais voilà quoi. Punaise, et plus la cavalerie sauvage quoi, faut arrêter quoi. Bon, le pire c'est que je peux pas atteindre la ville rapidement quoi. Donc bon. Donc là on va arriver à la passe. On va passer là plutôt. Ah j'ai pas de... Oh putain, ça c'est... Merci de me l'avoir rappelé. Je pensais qu'on avait un traité avec eux, mais non. Donc accès militaire. On va tout lui demander, tu vois. Comme ça, pas de risque. Pas de malentendu. Tout le monde est content. Donc bon. Eh ben voilà, on récupère les troupes qui ont un peu souffert. Putain, je suis curieux de savoir c'est quoi cette quête à la fin. Je sais pas si on peut voir les forces qu'on a déjà. Donc ok, il y a Skarsnik, il a quoi? Des catapultes, des Ragnarok, des archers gobelins de la nuit. Je suis sûr qu'il y aura des renforts bizarrement. Bon bah. Ok, on va s'occuper de tout ça. Je pense qu'il va falloir faire gaffe, c'est surtout aux artilleries ennemies, quoi. J'ai peur de ça, quoi. On va essayer d'avancer rapidement. Putain. Alors que les Von Karstein commencent à recoloniser l'Empire. Que veulent Midland? Ok. Je prends. Plus j'aurai d'alliés, mieux c'est. Et maudite art du chaos là, j'arrive pas en... Donc bon, y a aucun ennemi qui va m'emmerder quoi, ça c'est marrant quoi. Ok, encore un pillage, super. Toi tu vas me descendre là-bas. Pendant ce temps, Alberich lui il a recruté son armée, parfait. Enfin, une partie de son armée, il lui reste plus que la cavalerie recrutée, j'ai envie de dire. Donc, on va aller du côté de Paravon aussi. Tiens, on va faire un syndrome de glissement pour permettre à Albioche de recruter la cavalerie qui lui manque. Brion, il n'y a rien. Bordelot, il n'y a rien à faire. Lyonnaise, dans un tour, on aura l'église supplémentaire. On sera bientôt monté à fond.
Donc, à voir. Mission et quête guerre, ça va m'apporter quoi? 20 points de chevalerie seulement? Putain. Un poste moqué du monde là quand même. Ah, on est arrivé déjà. Putain. Ça... Là, cet épisode-là, ça va être pas vraiment de la bataille. Ça va essayer de monter encore la chevalerie, mais bon. Avec les églises, ça va être long. Ah, surtout les cathédrales au niveau 3, quoi. Alors que les hommes bêtes et les von Karsten continuent à se taper dessus. Ce qui est cool. Donc bon. Capitale du duché. Lyonnaise, très bien. Qu'on ordonne la construction d'une église, d'une cathédrale. Enfin, la temple du Graal déjà. 2, 3, 5, ok. Bon, bah déjà on va faire ça. Hein. Plus de temple du Graal. Plus de foi de la dame aussi. Ça va être pas mal, donc là on va booster l'appareil. Chaque ville de Bretagne aura quasiment un temple du Graal au moins. Quand j'ose pas déclarer la guerre aux elfes, quoi. Je suis sûr qu'ils sont plus forts que moi, bizarrement. Ils ont un léger avantage sur moi, ça se voit. Donc bon. Et eux là, ils font rien. Vous pouvez pas vous occuper de ces nabos là-bas. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Ouais. Amine, est-ce que vous pourriez pas venir Alors, on va essayer de se rapprocher de la mine de la corne du dragon. Comme on est en bon terme avec eux. J'espère que l'équipe de couronne fait vraiment la différence en mêlée. Hein. Moins 30 d'armure, moins 36 en mêlée. Enfin, là, c'est 30, c'est de la défense en mêlée. D'accord. J'espère qu'on aura surtout l'appui de quelqu'un. Donc, si c'est des petites armées comme ça, 3, 6, 9, ça fait 12. Admettons, ça fait des armées de 40, ça va. Mais après, le reste, c'est à voir, quoi. Et je sais même pas si je peux régénérer mes troupes là. Ah non, c'est le domaine des cieux, donc j'aurais quoi? Foudre du Ranon, ouais, tempête, ça peut être pas mal. Ouais, on va essayer. Hein. Si mes agents arrivent à grimper en niveau, ça serait parfait. Alors, Calberich a rejoint par avant l'Empire. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse la guerre contre le vampire, quoi? J'ai le Von Karsten qui est déjà là. Au moins, il me dit rien, mais bon. Eh ben, c'est vraiment un provocateur dur, tu vois. Je sais pas vous, les amis, mais la pied mes terres. Bon, je dis rien parce que voilà quoi. Je me dis qu'il y a peut-être moyen de finir cette campagne. Oh là 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 là. Ils ont encore rasé une ville, mais c'est pas vrai. Ils font quoi, les nains? Habitude des arts du chaos, on les détruit rapidement, et là, non. Non. Ah, oh, joli ça. Enfin, joli. C'est plutôt une bonne nouvelle qu'une configuration ait lieu entre les deux, quoi. Ah, Grimgor boîte en fer est ici. J'espère juste que les nains ils vont pouvoir s'occuper de ça. Alors, les nains. Ouais, bah là. Alors, Grimgor. Ah, je suis pas en guerre contre les orques. D'accord, bon, bah très bien. Donc, la mine de pierre amère, on s'en approche. Et après, ce sera l'ultime bataille. Dans les terres ennemies. Hop. Au niveau des bâtiments, bah. Ah, notre paladin a encore gagné un rang. Parfait. Paladin de la fée. Mais j'ai peur de leur déclarer la guerre, de me taper 5-6 armées là sur la figure, et ça me plairait moins, quoi. Donc, bon. 3 de chaque. 800 x 3, 2400. Il me manque un peu de sous. Je vais attendre encore un peu. Mais bon, déjà ce que je vais faire, c'est recruter ces trois là. Hop, je vais voir si je peux demander des sous à un allié ou autre. Donc à voir. Je vais lui demander du pognon s'il veut et un accès militaire. Donc je vais lui demander aller 2000. Je vais faire un pour essayer de gagner un peu d'argent quoi. Non, il veut pas. Pas de nom d'agression et accès militaire et. Allez, 1000. Toujours haut. 1300. Voilà. Ça, je récupère 1300. Et c'est ce qui, je peux recruter mes unités de cavalerie pour l'armée d'Alberich. Ça serait sympa. Donc là, j'ai mes unités quasiment les plus puissantes. Hein. Donc j'aurai deux armées complètes. Je sais pas comment ça va aller pour raser les terres elfes des elfes sylvains. Je vous avoue, j'en sais absolument rien.
Sachant que c'est un sacré bourbier pour aller jusque là-bas, je peux voir. Donc, à voir. Je vais surveiller l'armée du Yurtu là pour voir ce qu'il va faire. Et là, l'avancée de l'armée principale de Louhans est en marche. J'espère juste qu'il va pas se faire botter le cul parce que ça me ferait bien chier quand même. Hein. Après, je pourrais utiliser Louhans comme sorte de bannière au milieu des ennemis pour essayer d'affaiblir mes adversaires en mêlée au combat et renforcer mes hommes. Ah, alors qu'à Aldorf, les hordes de Pauvert sont là. Mais les nains, là, faut vous réveiller, là, vous dormez ou quoi? Oh! Vous déconnez, les mecs. Ah là là. Bon. L'avancée va continuer, les amis. On y est presque. Mine de pierre-mer. Si on arrive déjà à ce territoire-là, ce serait parfait. Donc les nains. Hop. Par contre, là, je vais me mettre à Brionnerac pour l'emmerder. Là, Durtu, il peut pas se reconstituer. Donc là, ça me laisse un avantage. Par contre, ces foutus homards, là, ça m'inquiète un peu, je vous avoue. Pour le moment, on peut rien reconstruire d'autre, je suppose. Non, non. Lyonnais. On peut pas améliorer ça. Ah, on peut améliorer le port, par contre. Je dis pas non. Donc là, il me faudra 5000 bientôt. Ouf. Je vais voir si je peux faire la paix avec Vlad, par exemple. Non, il veut pas. Bon, bah tant pis. Si tu te prends une croisade sur la gueule, viens pas pleurer. Non, tu veux pas. Je peux pas faire du commerce avec quelqu'un d'autre au cas où. Non, il veut pas, tant pis. Bon, c'est pas grave. De toute façon, pour ce qu'il y a à faire. Hein. Parce que je me vois pas laisser une seule armée en Bretonnie, je vous avoue, parce que. Connaissant les elfes sylvains. Sont assez monstrueux. Ah. Alors que les pauvres continuent d'embêter le monde, mais bon. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Ils veulent pas que j'arrive à les attrape. Donc voilà. Fainéant pour qui? Oh non! Oh putain! 50 points! Ouch! 50 points! Ah, ça pique! Oh là 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 là, je vous jure. Là, il va falloir se déclarer la guerre aux elfes sylvains, malheureusement. Ou aux pauvres, j'en sais rien. Oh là 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 là, j'avais vraiment pas besoin de ça, quoi. Ça, c'est abusé quand même. J'ai pas de guerre à faire, tu veux que je fasse des guerres contre qui? Bon, par contre, là, ça va m'énerver. Je vais envoyer mon armée le plus rapidement possible du côté du pauvre. Et voir ce qu'il va faire. Je veux le provoquer pour essayer de le buter. En tout cas, ça a fait mal là. C'est 50 points en moins. Là, ça va être bientôt cassage de peau verte. Alors que Durtu se retire dans sa forêt, bah c'est bien. Reste outil, reste easy, tu es très bien. Oh putain. Je vais faire deux marches forcées pour les rattraper. Oh, putain. Ça fait chier ces 50 points là. Ça fait très mal. Au pire, je vais faire une marche forcée pour tenter encore de le rattraper. Donc bon. Je voudrais bien l'attaquer, mais je peux rien faire. Je vais rester là. Du coup, la fée, toi. Finalement, tu m'as donné envie de t'utiliser. Allez, hop. Tu vas aller là-bas, tu vois. Tu vas faire une belle croisade contre les vampires. Parce que il est temps que tu te bouges. Il me reste combien de tours? Allez, faites qu'il me reste pas beaucoup. Putain, j'aimerais au moins atteindre la bataille finale pour le prochain épisode. Ça devrait être une bonne victoire, normalement. Donc après, je me méfierai de l'issue. Ce qui me dérange, c'est qu'ils ont beaucoup d'artillerie, quoi.
Les troupeaux de Squig, je peux m'en occuper. Les archégobelins de la nuit, ça passe aussi. Contre les catapultes à plongeurs de la mort et la Ragnaros, je sais pas comment je vais gérer ça, quoi. J'ai de la cavalerie anti-lar, j'ai des hallebardiers, mais le reste, bof, quoi. Faudra tuer Skarsnik. Elle a combien de défense en mêlée, l'araignée? 30, ouais, si je la mets à côté, bah elle va passer à 0. Et l'armure, elle est à 150. Pff. Et c'est mon épée le retire. 30, donc là, ça sera plus que 120. Plus que. Bon. Donc on va passer encore un tour, super. Il n'y aurait pas eu de bataille, hein. Je suis vraiment désolé. J'ai le mec qui essaie de faire une petite bataille par épisode. Et là, c'était vraiment la déchéance. Ah. Alors que les Von Karstein se remuent, se bougent, je sais pas ce qu'ils font. Ah, les orques qui se barrent, en marche forcée en plus aussi. Donc, à voir. Ah bien, ça c'est pratique. Je suppose que si je retire mon mouvement. Oh non. Il faut le traquer. Encore mon paladin qui gagne un rang. Enfin ma dame. C'est celle dans l'arme du nord en plus, ce qui est cool. Est-ce que je peux pas lui donner un truc? Tu peux pas assassiner ce gars? Bon, c'est un échec, c'est pas grave. Au moins t'as essayé, je t'en veux pas. Alors, on passe du côté de Galaraz. Oh, dans 2 tours on y est, on va y aller. On y est presque. On y est presque les amis. Ouais. Alors que la fée enchanteresse, tu vas commencer à te diriger vers... Enfin, l'armée de la fée enchanteresse, je vais essayer de la faire se diriger vers Sylvanie. Je vais la mettre en mode forcé aussi. Du coup, tu vas me faire ce long chemin aussi, toi. Et l'orque qui se barre toujours, évidemment. Hein. Trouillard. J'aime pas les orques. Ils servent à rien. Ah si, à part courir, courir. Tout ce qu'ils savent faire. Évidemment, les pauvres me déclarent pas la guerre pour le moment. Je dis bien pour le moment. Il va falloir libérer les Von Karstein de la... Enfin, la Sylvanie des Von Karstein et consorts. Donc, bon. Ah. Ça s'appuie au sud, alors. Encore une tribu de gars qui revient. Ah, nouvelle confédération, bonne nouvelle. Bon, bah, de toute façon, ils n'existent plus, alors, tu veux que je te dise. Que ma garnison est meilleure sensiblement, ouais, mais pas encore assez. Donc on va renforcer, ouais, quoi que je vais reconstruire une église là. Enfin, elle est où l'église au niveau 2 là que j'ai faite? C'était dans quelle province déjà? Lyonnais, ça, je crois. Ah oui, c'est vrai. Bon, ah là là, bon bah tout ça pour rien quoi, tout ça pour des prunes hein. Donc bon, prochain tour, on se remet en mouvement normal et on laissera comme ça en suspens pour le prochain épisode. Oh, ils sont barrés loin. Comment tu veux que j'aille là-bas? Donc, du coup, toi, est-ce que tu peux pas aller me chercher le mout? Ah, ouais, mais t'es obligé de passer par là. Donc, genre, tu vas passer là déjà. Il faut essayer de récupérer un max de points. Du coup, est-ce que j'ai un accès militaire avec l'Everland? Leur demander de l'argent aussi, tu vois. Allez, 1000. Bon, on va leur demander plus. Voilà, 1800, parfait, je prends. Alors, j'en vous jure, c'est le nerf de la guerre. Donc là, c'est bon. Ce que je voudrais essayer de faire, c'est de raser les villes bretonnes de la Sylvanie. Je sais pas si ça va générer des problèmes ou non.
Alors que les preneurs de crâne continuent à se replier. Les tribus qui reviennent provoquer. Oh non, ça c'est pas bon ça. Dès que je. C'est marrant, dès qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus personne, bah tout le monde se barre. Je vais essayer. Est-ce qu'il n'y a pas une armée dans le coin ou quoi? Je sais pas. Je vais ramener cette armée vers le nord finalement pour m'occuper des pierres scaling. Oh, c'est une grosse armée en plus, ils rigolent pas les bouseux, les bougres. Quoique j'ai une bonne garnison à couronne hein, s'ils veulent tenter quelque chose. Mais je ramènerai mes renforts aussi derrière. Donc je dirai à Alderich de partir pour la Sylvanie. Bon, il sera peut-être seul, mais je pense qu'il y a moyen. Donc, allez, t'accélères, marche forcée. Et loup encore de lion, je vais le mettre à côté de la bataille de quête. Je vais juste voir un peu le ratio que ça donne. Alors que madame gagne encore un point précieux. Foudre du ranon, ça peut être pas mal. Du coup, toi, tu vas revenir en marche normale. Et voilà, on va voir un peu le rapport de bataille. Ils disent que c'est pas gagné, bah. Je sais, à mon avis, je sais pourquoi. Hein. Il va y avoir plusieurs armées de renfort et ça va être compliqué à gérer, je pense. Ah, j'ai une force de renfort aussi, tiens. Bon, petite, certes, mais. Mais bon, elle servira. Donc, je vais laisser là mon armée. Et on va essayer vite d'atteindre les armées avant qu'on perde plus de points. Fait que le géant de l'empereur a réussi à contrer cette armée du chaos. La régressive, ouais. Ah, les preneurs de crâne qui se replient, je sais pas ce qu'ils foutent, mais. Ah. J'espère qu'ils ne marchent pas les autres. Bon, l'autre s'est replié, ok, très bien. Ça m'arrange. Toi. T'as bloqué son armée ou pas? Bah, elle est où? Ok, bon, bah, il s'est barré, très bien. Je vais plutôt monter vers le nord avec ma fée enchanteresse. On sait jamais, je sais pas où est l'armée. Ah, une embuscade. Bon. Vous savez quoi? Je vais vous laisser là pour cette bataille. Donc, je vais mettre mes bannières ici. Je sais pas combien ils sont pas nombreux, j'espère. Et je vais mettre un cadre de commandement sur l'adversaire avec ça. Donc, ceci est la fin de l'épisode 12 ou 13 de la Gascogne avec Total War Warhammer, premier du nom. Salut à toutes et à tous, c'était Kaiser von Karsten de Plaine Total War. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures, les amis. Au revoir!